les remplaçants, enfin ceux qui n'ont pas participé hier, ont fait un travail technique et un travail de préparation athlétique, notamment sur du 10-20. Et puis tous ceux qui ont beaucoup joué hier vont être sur un protocole de récupération avec un peu de course, des étirements et de la cryo notamment. Et puis ça nous permettra de basculer, de faire notre transfert cet après-midi et de faire les soins sur place à notre prochain hôtel. Donc voilà, on va essayer de gagner du temps sur la récupération parce que le match va arriver très très vite. Ben, c'est une équipe qui mettait beaucoup d'impact, qui nous a fait mal durant le premier quart d'heure, mais on a vite réglé la pente avec l'excellent Alan Saint-Maximin. Je tiens à le préciser, Alan Saint-Maximin. On sait que l'Italie, ça forme de grands joueurs, même si on a le souvenir de l'Euro 19 où on a gagné en finale, ben, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une Coupe du Monde, donc faut bien préparer ce match. Avec le groupe qu'on a, la cohésion de groupe qu'il y a, je pense qu'on peut y croire. Je sais même pas dans quelle chambre je suis. Il est bien cet hôtel. t'aurais pas pris ma valise? Quoi? Jika! T'as pris ma valise? Non. Putain, je suis pas reçu. Jika! Qui prend le grand lit? Voilà. Un peu petite. Mais bon, ça va. Par contre, moi j'ai perdu ma valise, je suis un peu embêté. Mais je vais la retrouver. Bon allez, heureux. C'est bon, voilà, on peut continuer à jouer.